En tant que cyclistes, nous avons toutes et tous subi les conséquences de l'énervement d'un conducteur, des coups de klaxon, des insultes, de l'intimidation, des dépassements rasants. Cette violence motorisée est largement banalisée et tolérée par notre société et nos pouvoirs publics. Nous ne pouvons plus tolérer cette banalisation. Comme tout usager de la route, les cyclistes, les piétons et les piétons qui choisissent des modes de transport durables et respectueux de l'environnement ont un droit fondamental à la sécurité. Ce droit ne devrait jamais être un sujet de débat ou une option. Ce droit devrait être une réalité incontestable. Il est impératif que le développement des aménagements cyclables ne soit plus perçu comme un choix optionnel, mais comme une priorité absolue. Piétons et cyclistes sont des usagers vulnérables qui doivent pouvoir se déplacer en toute sécurité. Nous avons besoin de politiques audacieuses, de projets concrets et d'engagements fermes pour protéger la vie de toutes et tous. C'est pourquoi nous allons continuer de nous mobiliser pour que notre gouvernement et nos parlementaires prennent des mesures concrètes et efficaces afin de garantir la sécurité dans nos rues et sur nos routes. Cette mobilisation, c'est celle que nous aurons demain. Mais ce soir, ce n'est pas le temps de l'action. Si nous sommes réunis ici ce soir, comme dans plus de 300 villes de France, c'est pour rendre hommage à Paul, qui a été tué mardi. C'est pourquoi nous vous invitons maintenant à observer une minute de silence en sa mémoire.
Merci à vous d'être venu ce soir. Donc, comme vous savez, notre association La Roue Libre milite pour le développement du vélo en tant que mode de transport serf. Si vous souhaitez continuer à être informé des actions que nous faisons pour développer le vélo et éviter que les nouveaux drames comme ce qu'on a connu mardi se reproduisent, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de ce rassemblement. Merci à vous.